Des affrontements meurtriers entre deux factions armées ont fait 27 morts et plus d'une centaine de blessés dans la capitale libyenne Tripoli. Les violences survenues hier mardi sont les pires que la ville ait connues depuis le début de l'année. La situation s'est calmée après que la force spéciale de dissuasion a accepté de remettre le commandant détenu, Mahmoud Hamza, à un groupe de soutien à la sécurité du gouvernement. Mahmoud Hamza est un ancien officier de la force spéciale de dissuasion. Il a joué un rôle clé dans la médiation visant à mettre fin aux tensions entre les factions armées. Les Nations Unies ont appelé les factions à régler leurs différends par le dialogue afin de préserver les progrès réalisés ces dernières années en matière de sécurité.